Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maëna et Théa. On va vous faire une nouvelle recette, un clafoutis meringué, pommes et patates douces. Donc, on va commencer la recette. Pour commencer, tu vas m'éplucher la patate douce. On épluche, on taille en petits dés, d'accord? Et toi, tu vas m'éplucher les pommes, pareil, on épluche et on taille en petits dés. Alors, vas-y, tu casses les œufs. Moi, pendant ce temps, je vais ouvrir la gousse de vanille. Donc là, on va rajouter un petit peu de farine, bien mélanger, voilà. Et tu peux rajouter donc le lait et la crème. Pour faire le caramel, on allume la plaque et on va le mettre en vif. Tu commences avec du sucre à même la casserole, comme ça. Et là, on va le laisser fondre tranquillement jusque tant qu'il prenne une petite coloration. Ensuite, on va ajouter notre beurre. Et ensuite, on rajoutera les pommes et les patates douces. Il ne reste plus qu'à remplir les moules. Et toi, Théa, tu vas me recouvrir ça avec l'appareil à clafoutis. Donc, on va préchauffer notre four pour pouvoir cuire nos clafoutis. Pour ça, c'est très simple avec la fonction gâteau brioche. Donc, les filles, maintenant, on va réaliser une meringue. Donc, on fait monter les blancs en neige. Une fois qu'ils sont en neige, on va rajouter les 300 g de sucre et on laissera tourner 5 minutes pour bien serrer les blancs. Donc, voilà, les filles, les clafoutis, ils ont refroidi. Notre meringue, elle est prête. Il n'y a plus qu'à assembler. Et on va finir par un petit coup de chalumeau. Bon les filles, ça vous a plu ce dessert? Oui. Bon, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une astuce sympa.